très content. Ouais, moi aussi, je suis super content. Parce que tout le monde est content. Tim, je suis pas content. On est un groupe. Je suis ravi. Nuance. Oui, on n'est pas juste content. Content, ça veut dire satisfait, finalement. Donc non, on n'est pas juste satisfait, on est très content. On en ressort, on en ressort heureux, en fait. Et satisfait. Donc ça a bien marché. Et plus. C'est cool. Ouais, ça a pris un beau tournant. Il y a une synergie. On n'a jamais joué avec une batterie. Là, on a joué avec une batterie. Moi, je suis un batteur. La batterie, c'est mon truc, c'est mon instrument. Et ça a été un... ça a été un régal, en fait, tout simplement. De... Ouais, je veux dire, c'était très simple, tout de suite, ça a marché. Et après, en plus, on a pu très rapidement travailler la couleur noise. Et ça nous a permis de travailler aussi des choses qu'on ne prenait pas forcément le temps de travailler, les enchaînements des morceaux. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas trop un groupe qui travaille de manière générale. Et là, du coup, c'est l'occasion de vraiment bosser des trucs et de prendre une direction particulière au fait qu'on soit à 5. C'est plus que juste arranger les morceaux qu'Alex fait tout seul. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Moi, j'ai été bousculé personnellement, dans le sens où je suis assez paresseux. Et je me réfugie derrière cette esthétique spontanée, sincère, machin, parce que ça me fait peur de travailler quelque chose, de le finir. Je crois que c'est ça, finalement. Et là, j'ai été bousculé parce que Olivier, c'est un bosseur, finalement. On a vraiment bien bossé et je suis très content. Je suis très content du résultat. Et la spontanéité, elle était de toute façon. C'est vrai qu'il n'a jamais entendu des morceaux. Tac, on lui joue, on est censé lui jouer pour la première fois, regarde ce que c'est, puis il joue en fait tout de suite avec. Bien. Oui, il y a une structure déjà à la base qui est inhérente et qui est... Si t'es bon musicien, tu es sensible, tu la comprends la structure. Mais il y a une énergie, enfin au dire de plein de gens apparemment, qui ça marche. Moi je l'ai senti. De ton côté, on ne joue jamais un morceau qu'on connaît très bien et un morceau qu'on vient de découvrir. Et donc, c'est les petites choses qu'on met en place aussi quand tu viens découvrir un morceau et tu commences à essayer de générer un arrangement personnel pour contribuer à la masse sonore. C'est magique. Tu peux les reproduire plus tard s'il y a des choses qui te plaisent et la spontanéité ne se perdent pas forcément parce que tu as récupéré ces petits détails qui ont été nés comme ça, comme des feux d'artifice qui viennent. Ça, c'est un plus de la résidence aussi, c'est de pouvoir passer du temps ensemble alors qu'on a. Ils ont plein de groupes, eux. Autre et on a nos vies à côté et d'avoir du moment juste pour être ensemble longtemps, ça arrive jamais et le bonheur des résidences c'est ça, c'est de pouvoir pas que être un groupe de musiciens mais devenir un groupe aussi, plus de manger de la fondue et devenir un groupe d'amis et du coup tout coule mieux et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire des résidences et à offrir des résidences aux artistes. C'est bien. Merci Iceberg, oui. Oui, merci Iceberg. Merci beaucoup. Oui, bah, c'est évident. Merci beaucoup. Ouais. C'est ce que disait le petit ami. C'est beau. Il est fou.